19h, l'heure du plaisir, l'heure du bonheur. Oui, tu es bien dans The Big Game Husky. Aujourd'hui, on va explorer une nouvelle preview d'un jeu. Quel est ce jeu? Il s'appelle Danger Scavenger. Ah, c'est un roguelike, apparemment. Et c'est un roguelike inspiré, on va dire, non? Vous allez lui trouver des familiarités avec un autre titre que je n'évoquerai volontairement pas tout de suite. La partie est déjà engagée. Ok, je choisis mon perso. Et oui, vous avez remarqué l'ordre du jeu? Ça vous rappelle toujours rien. Oh, vous suivez pas les streams de l'émission, vous êtes nuls. Bouh! Et on se barre en moto? Oh, dommage. Alors, j'ai droit à une arme. Et il va falloir que je la choisisse judicieusement. Un fusil de sniper. Ouh! Un fusil à pompe. Ouh! Un katana. On va faire ça comme ça pour l'instant. Non mais je préfère mieux l'autre. Hop, on y va. J'ai un ordre de mission quelque part les gars. Quelqu'un m'attend. Oh, on m'a fait signe d'aller de l'autre côté. Alors j'ai toujours pas dit à quel jeu il ressemblait, pourtant c'est évident quoi. Oui, vous voulez que je vous fasse au moins la grosse voix qu'il y avait? Welcome. You are playing Rad. Oui, il ressemble énormément à Rad. Regardez-moi ce rendu cel shading. Franchement. Alors, quelle différence entre ça et ça? Je vais pas vous l'expliquer puisque je ne l'ai pas comprise moi-même. Ah, on peut voir la map avant. Hop, hop, refais voir. D'accord. Et là, j'ai une map de grenade. Je peux gagner différents équipements selon la map que je vais explorer. Ok, c'est ça. Des mines, ça me plaît bien, moi. Ça me rappelle à Duke Nukem. Est-ce que je suis prêt? Non, j'étais prêt dans le ventre de ma mère, comme dirait Jack Burton, mais on va y aller quand même. Ça va être super long avec ce fusil. Alors, je peux le dire d'emblée, hein, déjà. Ça a beau ressembler à Rad, ça va être la même chose, mais en beaucoup plus lent. On n'y retrouve pas du tout la même dynamique. Hein. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Non, non. Pourquoi j'ai changé mon fusil sniper contre une clé à molette? Je ne sais pas. Alors, normalement, j'ai une roulade quelque part. Ouais, voilà. Ah! J'ai une roulade et je peux tomber dans le vide. Et comme dans Rad, le vide ne me tue pas. Et donc, je présume que comme dans Rad. Eh bien, comme dans Rad, les niveaux vont être générés semi-procéduralement, j'imagine. Alors, pour l'instant, c'est pas du grand art, hein. C'est des polygones. Polygono. Faut aimer Vasarely, par exemple. Show map, reward, je la veux, je peux pas l'avoir. Est-ce que j'ai fait toute ma map au moins? Parce que moi je suis pas venu là pour. Ah putain, c'est chiant. Pourquoi ils ont pas mis un limiteur sur les bords de l'écran, nom de Zeus? On ne sait pas ce que c'est. Moi j'aime bien quand c'est des surprises. Eh ben on y va. Oh là là. Va m'arriver des misères. Des misères de malheur. C'est fait. Note pour moi-même. Tu prends le fusil. La lunette, tu ne le lâches plus, tu ramasses plus rien, mais alors plus rien si c'est pas nécessaire. Ça, c'est bien. Tu l'emmènes avec toi, tu prends ta moto. On va refaire quand même parce que je voudrais pas rester sur une défaite. Mais ouais, pour l'instant, on a observé qu'on avait quoi? On n'avait rien d'autre qu'une repompe de râle.
en version cyber turfu néon disco whiz. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'ai un peu le doute. C'est quoi? Des bombes collantes? Je peux l'avoir en même temps? Non. Non. Je savais pas vu que c'est un ennemi ça. Donc en fait, on va vite voir les problèmes que ce jeu porte avec lui. Too bad, bad. Too bad, bad, je te dis. C'est quoi ça? Oh bah ça va pas se refuser. C'est autrement mieux qu'une clavette. Ah merde, bah c'est pas terrible en fait. Il y a une mollesse. Donc vous l'aurez compris, je suis assez dubitatif sur ce titre en preview. Puisque s'il est pas moche, il est pas pour autant glamour. Hein. Il reprend quelque chose qui existe, donc déjà ça c'est pas top. Mais en plus il en fait pas quelque chose d'extraordinaire. Ah ah ah, d'où ça sort ça? Qui c'est qui me canard là-bas? Je vais tirer un poil au hasard, on sait jamais. Par accident, je pourrais faire plein de points. Ça, c'est des achats, ok. Et il va falloir que je continue de faire des dégâts. Alors, un petit plus quand même, on va lui accorder. Les décors ont l'air un petit peu destructibles, ce qui est plutôt sympa. On essaye les armes, tant qu'à faire. C'est pas ce que j'aurais souhaité, mais on est là pour essayer. C'était quoi qui me canardait là-bas? Ah, c'était ça. Pas intéressant, on y va. Non. Ah mais tant que j'ai pas flingué tout le monde, je peux pas m'en aller. Ok. Ok, 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 ok. On va reprendre le bazooka, ça sera plus efficace. Diable que c'est mou! Donc on peut voir deux arbres simultanément, de ce que je comprends. Est-ce que ça va faire mon bonheur totalement? Vous l'entendez à mon silence, je suis pas persuadé que ce titre va faire un malheur. Il arrive sur un terrain déjà exploré, moult fois. Il propose pas de gameplay révolutionnaire, ni de rendu extraordinaire, bien que ce soit parfaitement propre. Et en fait, on a l'impression d'avoir un sous-produit existant, ce qui est triste. Bon.
Ah oui, la rebalance, c'est con. Je vais t'ennuyer, moi. C'est le monstre au bordel, c'est le monstre au bordel, je vous le dis. Tenace, monsieur K. Oui, parfaitement. On va l'explorer un petit peu à fond, cette démo, de cette preview du jeu, parce que je suis curieux de voir s'il n'y a pas un moment où il y aura une surprise, quelque chose de génial, et que je pourrai enfin utiliser des adjectifs pleins de qualité pour parler de ce jeu. Originaux. Si les ennemis sont aussi nombreux que ça, ça peut être marrant parce que ils ont pas du tout le même comportement et là par exemple j'en bave. Je vais pas tarder à crever. Faut vraiment que je trouve de la sous-soupe comme on dit. Pas sûr que ce soit bien ça. Ça oui. Ok. Faut vraiment que je trouve de l'énergie parce qu'on va arriver dans le prochain tableau. Je vais me faire shooter comme un petit lapinou. Non, faut pas que j'oublie que j'ai ça ouais, pour straffer. Ça pourrait être utile. Ah, le hacking, pas tout de suite, hein, les gars. Faudrait que je trouve de la santé. Il n'y a pas de la santé. Je cherche de la santé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je veux la dague. Oui, je peux casser avec mes mimines aussi. Parce que je suis un peu désespéré et je me dis qu'il va y avoir de la santé, mais de la santé, tu ne pourras pas trouver tant que tu n'auras pas tout le monde buté. Bon, eh ben, c'est reparti, il va falloir que je tire dans ce gros bidon, je pense. C'est parti. C'est fait péter la gueule tout seul. Ah, oh, que des comme j'aime pas. Je vais crever. C'est rien, c'est un gadin. Est-ce que je refais une partie? Oui, on va trouver du positif à dire, j'y insiste. Ah, greux. Alors, le truc bien, c'est qu'il y a du montage vidéo derrière, donc je vais garder uniquement les meilleures séquences pour être un maximum sympa avec ce titre. Alors que je ne suis pas payé, hein, je n'ai pas reçu le chèque encore. Oh. Tu réponds, toi? C'est quoi ces manières? Ça, c'est fait. Alors, ce syndrome de vous faire looter plein de trucs différents, c'est sympa, mais ça va pas faire le jeu. Ben... Alors, c'est très rigolo parce que ça me rappelle un très très vieux jeu qu'il y avait sur Amiga et ST. C'était Save Machin from Robot Invasion ou une connerie comme ça, j'ai plus du tout le nom en tête, mais les vieux savent très bien de quoi je parle. Bon, en fait, c'est le même principe, on arrive sur des tableaux avec, à l'époque c'était en isométrie, et on arrive sur les tableaux, et on doit éradiquer absolument tout ce qu'il y a et choisir son chemin. On a deux sorties possibles, très souvent, voire trois, de temps en temps. Et voilà, voilà, c'était le pré-roguelike de l'époque. Mais celui-ci, le cul entre deux chaises, entre ce vieux titre 16 bits, et Rad, qui quand même est une grosse référence maintenant dans le domaine.
Et du coup, bah, il arrive pas à avoir son propre goût, quoi, qui donne envie de l'explorer. Ah! Fond. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça peut être sympa. J'ai une autre arme. Ouais, j'ai ça, mais elle est pas terrible. On va essayer ça. Ah, j'ai un pote. En fait, c'est un drone qui m'aide. Ok. J'aime casser les décors. Qu'est-ce qu'on pourrait piller encore là? Quel dommage, quel dommage. Ce double stick shooter est pas mal, mais vraiment. Je sais pas s'il va arriver à motiver son monde pour donner envie de l'explorer de fond en comble. Non, c'est pas la peine de faire péter ça. J'ai changé ma mitraillette quand une poêle à frire. C'est pas possible. Alors c'est fou comme le random peut vous favoriser à certains niveaux, puis à d'autres, pas tant que ça. Hein. Je suis au taquet, tout va bien. Alors maintenant, faut pas que j'oublie que j'ai une super arme avec la deuxième gâchette et je peux implorer une pluie de boulettes qui va anéantir tous mes ennemis autour si tout se passe bien. Ah, empty. Je suis hors de sa portée, le pauvre. Oui, je compatis pour les ennemis maintenant, je suis sympa. Auquel je vais jouer, ça va être mieux que la mitraillette, ça. Bon, la portée, c'est pas terrible, hein, mais on peut pas lui en demander beaucoup plus. Oula, ça se passe très mal pour moi, on va changer d'arme. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ils se canardent entre eux aussi, ça peut être pas mal dans la stratégie du jeu. J'aimerais bien trouver un petit cœur en fait. Hein? Comme ça. Copain. Allez. Dis. Allez. Lui, il est comme une andouille, je suis hors de portée. Et il est bon juste à subir mon courroux. Mal. Vous me direz, monsieur Kat, tu n'as toujours pas invoqué ton méga tir of the death là. C'est vrai. Alors des fois il y a des effets stun. Ah, empty, ça m'aimait.
C'est fourbe. C'est déjà mort. Tu ne peux pas tuer ce qui est déjà mort. Oui, c'est pas la grande forme, c'est pas la grande forme. Oh, j'avais pas vu ces trucs. Du coup, c'est dame de pas facile de se faire une opinion sur un jeu comme ça, puisque c'est sur la durée qu'il va se révéler vraiment très très ennuyeux ou très très réussi. Pour l'instant, il est parti plutôt sur le pas trop réussi, on va lui laisser sa chance quand même. Il reprend des lignes déjà connues, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je peux pas dire autre chose, hein, de toute manière. Son univers, bah, il est typé entre le Lego et le fameux RAD, du cyber-futur, de l'espace, du cosmos. Est-ce que pour autant, ça va en faire un titre sur lequel on accroche? Moi, mon doute est là. Je vais réessayer quelques parties, mais je dois vous avouer que là, je suis dubitatif, total. On retrouvera bientôt ce titre, peut-être, Danger Scavenger, pour voir s'il a avancé et s'il permet de s'éclater un petit peu plus loin. Ce serait sympa. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, et on se retrouve tout bientôt. Ciao!